don't want to know. We'll always have a home, a solid ground beneath our feet. The earth we walk upon, build our homes upon, she can provide our every need. But we need to stop and look around and marvel at all its beauty. Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Oh, you and I and all of life. Oh, we're born from the land. Yeah. Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Oh, you and I and all of life. Oh, we're born from the land. ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਲੈਟਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦ ਜੋਏ Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire co-organisé par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la chaîne internationale allemande, la Deutsche Welle. Et ce webinaire est co-présenté avec Wagaki Wisniewski, responsable de l'information publique et des médias à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Bonjour Wagaki. Yesu, a journalist at Deutsche Welle. Hello. Et nous sommes très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui et nous saluons la présence parmi nous de la première ministre du Togo en la personne de Madame Victoire Toméga Dobé. Et Madame la Première ministre, votre présence dans ce webinaire prouve l'importance que vous accordez à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole et de gestion durable des terres. Nous saluons également l'hôte de ce webinaire, M. Ibrahim Tchao, qui est le sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. We are also privileged to have in our midst today four panelists that I will introduce a little later. They are living examples of what this webinar is all about.
Oui, également. Et un adage est aussi. Un adage togolais dit, la terre ne trompe pas, mais ne me demandez pas qui est l'auteur de cet adage. Et vous, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, M. Tiao, vous dites, la terre nourrit les hommes et les peuples, à condition, bien sûr, que la terre soit bien gérée. C'est ce qui justifie d'ailleurs le thème du webinaire, et qui est les emplois liés à la terre pour les jeunes, cultiver des idées gagnantes et vaincre les peurs. Et prendra également la parole dans ce webinaire Baba Mal, c'est un artiste sénégalais de renommée internationale et fondateur de l'initiative NACA, une initiative qui accompagne des femmes et des jeunes dans la mise en valeur des terres au Sénégal. So, Mr. Tiao, we will start with you. Welcome. You are UNCCD's foremost champion of practical actions to create land-based jobs for youth. What land-based income-generating jobs are available to young people? Why and how can UNCCD support young people to create them? You have the floor, sir. Merci beaucoup, Wagaki. Je vais parler en français, comme Florent a bien commencé aussi par la langue française. Madame la Première ministre du Togo, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je salue également la présence des ministres qui sont avec vous et de l'ensemble des participants. Bien particulier, bonjour à Baba Mal, qui est notre ambassadeur pour la Convention sur la lutte contre la désertification. Et un bonjour amical également à tous les membres du panel et à tous les participants. La question de savoir comment créer la richesse pour les jeunes à partir de la terre peut paraître surprenante. Prenons le cas de l'alimentation. La terre nourrit 7 milliards d'êtres humains, bientôt 10 milliards sur terre. Aussi, si vous n'avez consommé aucun produit animal ou végétal provenant de la terre au cours des 24 dernières heures, c'est probablement parce que vous n'avez rien mangé. Point besoin de réfléchir longtemps avant de pouvoir conclure que tant que nous mangeons, nous produisons des emplois et des activités économiques génératrices de revenus basées sur l'agriculture. Un business model qui continue de faire ses preuves. Nos vêtements proviennent de la terre. Nos poissons d'eau douce, notre viande et nos produits laitiers aussi. Le secteur primaire est la première source de revenus au monde. Pour la grande majorité, c'est la seule source de revenus. Nul besoin non plus de faire des calculs savants pour comprendre que la croissance démographique entraîne plus de bouches à nourrir. Nous serons près de 10 milliards d'ici 2050. Les régions du monde qui seront des vecteurs de cette croissance sont l'Asie et l'Afrique. Pour mieux comprendre les enjeux, ajoutons que cette croissance s'accompagnera également d'un élargissement d'une classe moyenne au pouvoir d'achat en augmentation. Par ailleurs, le changement des modes de consommation entraînera une demande exponentielle en produits alimentaires, vestimentaires, en énergie et en eau. C'est dire que ce business continuera à être florissant. La vraie question est donc la suivante. S'il y a autant de business offerts par la nature, comment assurer une distribution des revenus qui bénéficie au maximum de personnes, notamment les petits producteurs? Selon le Forum économique mondial, investir dans une économie favorable à la protection de la nature peut générer 10 trillions, milliards de milliards de dollars par an et près de 400 millions d'emplois d'ici 2030. À propos des emplois, précisons qu'il s'agit ici moins d'employés des salariés que d'opportunités d'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes.
Laurent, comme vous avez dit, la terre nourrit les peuples. C'est un bon business. Ces opportunités existent aussi bien dans les pays développés que dans ceux à revenus modestes, y compris en Afrique. Le Togo va partager bientôt son expérience par la voix de la Première ministre. D'autres exemples seront également partagés par des membres du panel. J'aimerais pour ma part présenter quelques exemples d'à travers le monde avant de conclure avec quelques pistes de réflexion. Commençons par le Pakistan. Le Premier ministre Imran Khan a mis en place un programme qu'il appelle le tsunami d'un milliard d'arbres. Ils ont déjà replanté 600 000 hectares qui ont été restaurés, de terres dégradées qui ont pu être restaurées, et cela a généré un demi-million d'emplois. En Sierra Leone, 10 000 emplois ont été créés par des jeunes en milieu rural, rien qu'en plantant des arbres. 1,2 million d'arbres ont été plantés. En Namibie, deux frères plutôt jeunes ont créé en 1986 un petit business sous forme d'un ranch animalier. Cette activité a généré d'excellentes activités touristiques en 2008. La réserve naturelle de 70 hectares a été mise en vente l'année dernière. Sa valeur a été estimée à 108 millions de dollars. Les exemples sont nombreux en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe. Preuve s'il en est que la conservation de la nature est une activité rentable. D'ailleurs, des économistes de la World Resources Institute ont estimé que chaque dollar investi dans la terre génère entre 7 et 13 dollars. Avec de tels taux, pourquoi donc les investisseurs n'ont pas sauté en masse sur ces opportunités? Quels sont les goulots d'étranglement et comment transformer ces défis en opportunités? Premièrement, il s'agit de repenser nos stratégies de développement. Deux paramètres en particulier méritent d'être réexaminés. D'une part, les politiques foncières et les facilités fiscales et financières. D'autre part, les incubateurs pour les startups. L'Afrique en particulier ne manque pas de jeunes dynamiques, prêts à prendre des risques et à s'approprier les nouvelles technologies si on leur donne les moyens. Deuxièmement, il s'agit d'encourager les investissements du secteur privé sur la base de partenariats gagnant-gagnant. Les terres en friche et les zones humides sont généralement enregistrées comme des terres domaniales. Or, l'État n'est pas toujours en mesure d'assurer une bonne gestion de ses ressources qui, au fil du temps, se dégradent. Des forêts classées et autres réserves naturelles ne portent plus que leur nom d'antan. En favorisant des approches de type partenariat public-privé qui ont déjà fait leurs preuves, nombre de zones touristiques, de forêts, d'espaces périurbains pourraient être mis en valeur et générer des revenus. Combien d'emplois seraient ainsi créés tout en sauvegardant les milieux naturels et en créant de la richesse? Troisièmement, à l'heure de la quatrième révolution industrielle, il s'agira de valoriser l'usage des nouvelles technologies. Le carburant nécessaire à leur décollage économique proviendra d'abord et avant tout du secteur primaire. Il faudra pour cela mettre l'accent sur les investissements d'appui aux petits producteurs. D'ailleurs, plusieurs pays développés se sont appuyés sur les petites et moyennes entreprises avant d'entamer leur décollage économique. L'industrialisation s'en est suivie. Les opportunités de créer des partenariats publics-privés sont donc très nombreuses. Elles appellent parfois à une réévaluation des systèmes de gouvernance, y compris une meilleure transparence dans la gestion des biens publics et un système judiciaire indépendant. Des conditions sine qua non pour attirer les investissements et créer un environnement propice à l'emploi et à une croissance inclusive. Avec l'accord de Paris sur le climat,
plusieurs investisseurs veulent se retirer du secteur des industries polluantes décriées à travers le monde. L'investissement dans la restauration des terres serait non seulement du business, mais du bon business propre, utile et intelligent. Il créerait des emplois verts et contribuerait également à résoudre à la fois les problèmes liés au changement climatique, puisque la restauration des terres va servir de puits de carbone, mais aussi va pallier à la perte de la biodiversité. C'est aussi l'une des solutions les plus appropriées pour reconstruire les économies si durement bouleversées par la pandémie de la COVID-19. Les engagements pris par les États dans le cadre de la Convention de lutte contre la désertification représentent 450 millions d'hectares de terres à restaurer. Le plus remarquable de tous ces programmes est celui des 11 pays de la Grande Muraille verte du Sahel, visant à restaurer 100 millions d'hectares, créant au passage 10 millions d'emplois d'ici 2030. Loin d'être uniquement un programme de reboisement, la Grande Muraille verte vise à créer une autre économie rurale, à réduire les risques de déficit alimentaire et à fournir l'énergie solaire aux producteurs. Restaurer les terres, c'est aussi reconstruire l'économie rurale. La Grande Muraille verte contribue aussi indirectement à réduire les pertes de nourriture en conservant les aliments grâce à l'énergie produite et à la transformation sur place des produits au lieu de continuer à exporter des produits en matière brute. D'autres opportunités de création d'emplois et de création de chaînes de valeur. Au-delà des activités régénératrices du milieu naturel, la Grande Muraille verte, c'est aussi de vastes chantiers d'installation de centrales d'énergie solaire. C'est la construction d'installations frigorifiques. C'est l'éclairage des centres médicaux et la création de chaînes de froid pour les aliments et pour les produits médicaux tels les vaccins. Le business model qu'offre la Grande Muraille verte s'applique bien entendu à d'autres pays à travers le monde. La question de savoir comment créer de la richesse pour les jeunes à partir de la terre est à notre portée. Il s'agit de transformer les défis en opportunités. Et pour qui ne manque point de terre, d'eau, de soleil, de ressources humaines, jeunes et dynamiques, et de volonté politique, on peut transformer la terre en or. La lutte contre la pauvreté restera une chimère politique aussi longtemps que les plus pauvres n'auront pu valoriser ce qu'ils ont de plus riche, la terre. Je vous remercie. Thank you, Executive Secretary. You've packed quite a bit in that presentation. I take away three things. We need to build a business, growth, and employment-friendly environment. And we need to transform challenges into opportunities. That there are diverse kinds of jobs. One of them is conservation, which I'm happy to hear can now become an income-generating thing. There's agriculture, and we can also have a wide range of small and private sector activities, solar energy, conservation, storage, vaccines, a whole range of things. Thank you, sir, for that presentation. We'll come back to this discussion when we have the Q&A discussion. Thank you. Merci, Wagaki. Merci, Monsieur Ibrahim Thiaw. Et à présent, nous allons donner la parole à la Première ministre du Togo, Madame Victoire Tomega Dogbe. Et juste une petite présentation, Madame Dogbe, avant d'être Première ministre, a été ministre du développement à la base et de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au Togo. Et aujourd'hui, elle prend la parole pour partager avec nous l'expérience de son pays en matière d'emploi jeune et dans la mise en valeur des terres. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le sous-secrétaire général, secrétaire exécutif, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur Bamba Mal, l'ambassadeur des terres, Mesdames et Messieurs les panélistes, vous me permettrez au prime abord de féliciter
cette belle initiative portée par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la Deutsche Welle pour la promotion de l'entrepreneuriat durable auprès des jeunes. Vous savez, les jeunes constituent la frange la plus importante des populations de nos pays. Et ceci pose d'énormes défis sociaux pour nos pays, des défis au plan de l'éducation, de la formation, de la santé, mais également des défis d'insertion professionnelle. Parce que nous savons tous que dans la plupart de nos pays, le taux de chômage et de sous-emploi demeure encore élevé. Nous ne pouvons parler de l'emploi des jeunes sans nous appesantir sur l'environnement dans lequel nous évoluons. Cet environnement qui est à la fois national, régional et international et qui est marqué par des menaces sécuritaires avec la poussée de l'extrémisme violent, mais également marqué par le dérèglement climatique avec sa cohorte d'inondations, de sécheresses, et qui accentue les disparités régionales ou intra-régionales, parce que dans ces conditions, l'accès des jeunes aux services sociaux de base se pose toujours avec acuité. Et cela amène les jeunes à souvent prendre des options hasardeuses, même au péril de leur vie. Un autre élément qui vient s'ajouter à cet environnement qui est assez difficile pour nos jeunes, c'est cette pandémie du coronavirus qui induit un ralentissement de la croissance dans nos pays, qui bouleverse nos modes de fonctionnement et qui vient renforcer donc la nécessité pour nos pays d'adopter de nouvelles stratégies, des stratégies beaucoup plus pragmatiques afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Et cela nous pousse à créer les meilleures conditions pour permettre aux jeunes de pouvoir participer à la création de richesses dans leur pays, c'est-à-dire que ces jeunes puissent produire la richesse par eux-mêmes, pour les jeunes de manière générale et pour leur communauté. Donc, le défi, c'est comment faire en sorte que les jeunes aient cette fusion-là entre eux-mêmes et leur communauté, ce qui pose un réel défi au niveau de la responsabilité sociétale. Nous savons également que, de par le monde, les jeunes démontrent ou ont su toujours démontrer du génie. Ils ont envie de faire une différence autour d'eux. C'est la jeunesse qui le veut ainsi. Mais ils ont juste besoin d'un environnement favorable à ce qui puisse leur permettre de développer leur potentiel ou bien de réaliser pleinement leur potentiel. Donc, un environnement favorable et le développement d'outils qui leur permettent de réaliser pleinement leur potentiel. Nous savons également que les emplois liés à la terre offrent cette double opportunité de conscientiser les jeunes sur la protection des ressources naturelles. C'est très précieux pour nous. Comment faire pour que les jeunes, tout en cherchant à mieux être, puissent être conscients de la nécessaire protection des ressources naturelles. La production responsable, tout en se créant un travail décent, leur permettant de subvenir à leurs besoins et de contribuer à la croissance économique de leur pays. Au Togo, les jeunes constituent plus de 75% de la population. Mais nous savons aussi que l'agriculture demeure le moteur de l'économie de notre pays, avec une contribution de 40% au PIB national.
La création d'emplois pour les jeunes demeure donc une priorité de notre plan de développement qui a démarré déjà depuis 2018, qui se poursuit jusqu'en 2022, avec l'appui du secteur privé, de l'investissement privé. Et l'objectif pour nous, c'est d'arriver à créer au minimum de 500 000 emplois durables. Et nous pensons que l'entrepreneuriat agricole apparaît comme le créneau porteur. L'autre élément sur lequel nous aimons nous appuyer dans notre pays, c'est que le Togo a cet avantage d'être un pays stable où règne la paix et la sécurité. Vous convenez avec moi que sans la paix, la stabilité, la sécurité, on ne peut parler de développement, on ne peut parler de croissance, on ne peut parler de redistribution de richesses. Et je voudrais préciser également que la feuille de route du gouvernement, ou la feuille de route que le gouvernement togolais s'est donnée pour le quinquennat qui démarre, confirme cette ambition de faire du Togo une nation moderne, performante, qui produit beaucoup plus de richesses en s'appuyant sur ses atouts, qu'est la jeunesse, l'agriculture et autres, mais aussi cette nation qui se veut inclusive, c'est-à-dire s'assurer de la redistribution des richesses. Et quand on parle d'inclusion, on parle des femmes, des jeunes, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur appartenance, qu'ils soient citadins ou ruraux, il faut absolument que ces jeunes-là puissent être insérés dans le tissu économique. Et pour nous, au Togo, ceci passe par quatre choses essentielles que j'aimerais rapidement vous rappeler. Il nous faut absolument moderniser l'agriculture. Et quand on parle de moderniser l'agriculture, c'est rendre cette agriculture beaucoup plus rémunératrice, plus attractive pour la jeunesse togolaise, c'est-à-dire la mécanisation, les techniques d'irrigation. Dans notre pays, depuis quelques années, nous aménageons des zones agricoles, nous les appelons zones agricoles aménagées, planifiées. Nous sommes déjà dans une approche de chaîne de valeur agricole en organisant, structurant les jeunes autour des filières porteuses, en mettant les jeunes en rapport des marchés, parce que sans marché, on ne peut pas parler de production, de transformation, de distribution, en poussant les jeunes vers des cultures de rente et surtout en les dirigeant vers un secteur qui est prometteur, c'est-à-dire la production bio. Et également, veiller à ce que ces jeunes puissent être mieux préparés au métier d'entrepreneur agricole. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un jeune d'aller vers l'agriculture en lui demandant d'aller utiliser la roue. Il ne va pas accepter. Donc, comment faire en sorte que les jeunes puissent être préparés au métier d'entrepreneur agricole? Et donc, cela passe par des instituts de formation qui sont dédiés. Et également, comment faire en sorte qu'on puisse trouver des financements qui sont adaptés aux besoins? Et nous avons au Togo un mécanisme incitatif de financement agricole. La deuxième chose, j'ai parlé de la nécessité de moderniser l'agriculture togolaise, mais également, nous avons cette ambition de positionner le Togo comme le hub logistique régional, parce que quand on produit, il faut trouver un marché, il faut maîtriser la logistique, les chaînes logistiques. Et comment faire donc pour positionner le Togo comme le hub logistique en tirant le meilleur profit du port de Lomé, qui est l'un des plus performants d'Afrique, en développant toute l'économie maritime autour de ce port, avec un accent particulier sur la protection côtière. Nous avons toujours cet élément-là, produire plus, mais toujours préserver l'environnement. Le troisième élément, c'est la transformation industrielle. Donc, ça passe par la transformation agricole, l'agro-business, mais aussi la transformation des ressources minières. Et le dernier élément pour nous au Togo, c'est comment mettre la digitalisation, le digital, puisqu'il s'agit des jeunes, comment faire en sorte que la digitalisation là soit au service de l'économie togolaise. Pour nous, ce sont des éléments clés. Et le Togo
Donc, comme je le disais tantôt, à cet avantage d'être un pays sûr, à destination sûre, parce que nous avons conscience de ces atouts et nous avons initié des réformes audacieuses qui positionnent aujourd'hui notre pays comme le pays qui peut attirer plus d'investisseurs privés. Parce que c'est avec le secteur privé que nous pouvons faire cette transformation-là et créer plus d'emplois pour les jeunes. Et nous avons quelques résultats très, très, très édifiants. L'amélioration du climat des affaires, donc qui facilite l'investissement et l'entrepreneuriat au Togo. Le Togo aujourd'hui est classé comme le premier réformateur en Afrique, selon le rapport du Doing Business. Nous avons également le classement du MCCA de Millennium Challenge Account, qui a montré toutes les avancées du Togo dans les domaines de la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Et nous avons aussi aujourd'hui cette belle reconnaissance que le Togo est classé en matière d'exportation de produits agroalimentaires biologiques. Il est le premier en Afrique, non, le deuxième après l'Égypte en Afrique. Et nous avons doublé notre production, passant de 22 500 tonnes à 45 000 tonnes en un an. C'est des exemples. Nous avons également réussi dans notre pays à mettre en place des outils de pilotage et de coordination de la promotion de l'artisanat, de l'entrepreneuriat, pardon, et avec un plan stratégique pour l'emploi des jeunes, une bonne politique agricole en mettant l'accent sur les jeunes et un cadre, une coalition pour l'emploi des jeunes qui est un cadre de mobilisation des acteurs et des ressources. Nous avons également mis en place quelques dispositifs d'accompagnement de ces jeunes qui ont commencé par produire des résultats. Par exemple, faciliter l'accès des jeunes à des financements. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont dédiés à des jeunes qui ont montré qu'à travers ces financements, les jeunes ont réussi dans ce secteur agricole. Nous avons pu utiliser le volontariat d'engagement citoyen comme un moyen de pouvoir attirer les jeunes à travailler pour leur communauté, mais à travers cet engagement, ces jeunes développent des activités génératrices de revenus qui tournent souvent sur les actions de préservation de l'environnement. Nous avons des mécanismes qui accompagnent les jeunes dans leur structuration et aujourd'hui, nous assistons à des jeunes totalement organisés autour des filières porteuses comme le soja bio qui ont réussi en un temps record à produire des dizaines de milliers d'emplois. Je donne toujours l'exemple d'un jeune qui est en relation d'affaires avec 10 000 producteurs qui réussit lui seul à exporter 20 000 tonnes de soja vers l'Europe et ce jeune a réussi à lui seul à créer des dizaines de milliers d'emplois. Et à travers ce programme d'appui à l'insertion des jeunes autour des filières porteuses, nous avons réussi à créer en trois ans, 150 000 emplois. Donc, c'est une réalité que nous vivons. Quand les dispositifs sont bien trouvés, quand nous avons des politiques qui prennent en compte les jeunes et qui prennent en compte également les atouts de notre économie, nous arrivons à avoir des résultats. Nous avons également mis des dispositifs et mesures pour faciliter les informations sur le marché. Nous avons des dispositifs comme un système d'aide à la décision et à l'information sur la fertilité du sol, parce que nous avons des sols qui sont devenus pauvres. Donc, nous avons un système d'aide à la décision sur l'information sur la fertilité du sol et la fertilisation des cultures. Nous avons une plateforme bourse agricole et alimentaire en ligne qui facilite la commercialisation des produits agricoles et qui permettent de disposer en temps réel des données sur les transactions en termes de volume, de prix, de stocks, etc. Et même dans ce contexte du coronavirus, nous avons mis en place des mesures qui peuvent aider les jeunes à sauvegarder leurs emplois ou à relancer leurs activités à travers un plan de riposte qui a été lancé, par exemple, en avril 2020, avec le programme Yolim, un programme crédit digital qui met à la disposition des petits exploitants agricoles des prêts à des taux d'intérêt nuls pour l'achat d'intrants et la location
d'équipements agricoles. Nous avons beaucoup de dispositifs d'accompagnement, des success stories pour ces jeunes-là qui ont des backgrounds variés. Vous les avez, ils ont fait de l'agroéconomie, de la géologie, ou alors des jeunes qui n'ont aucune éducation formelle. Mais parce qu'ils avaient une idée, parce qu'ils ont eu un accompagnement dédié, parce qu'on a réussi à créer un environnement d'affaires attractif, aujourd'hui, ces jeunes sont des grands entrepreneurs qui sont en train d'émerger et qui peuvent aller vers des institutions financières, des grandes institutions financières, pour être accompagnés. Et nous sommes sûrs qu'avec l'accompagnement de tous ces mécanismes, ces jeunes ont réussi à structurer leurs idées. Ils se sont formés leurs propres équipes et ils arrivent à réaliser leurs objectifs. Et aujourd'hui, ils constituent des exemples pour leurs pairs. Nous avons des incubateurs qui accompagnent tous ces jeunes-là. Donc, c'est un tout. Avoir des politiques adaptées, faire en sorte que ces politiques créent des résultats, mais ont des impacts réels sur ces jeunes, facilitent leur insertion, parce qu'ils sont vraiment la richesse pour nous. Nous devons les prendre en compte dans les politiques de développement, mais nous devons également utiliser l'agriculture comme un des secteurs qui peut attirer ces jeunes. Et de là, ça nécessite toute une organisation, toute une modélisation, une bonne structuration de ces jeunes, des financements adaptés, et la fertilisation des sols, en tout cas faire en sorte que cette génération fait corps avec l'agriculture tout en préservant l'environnement. Nous sommes donc convaincus, mesdames et messieurs, que les emplois qui sont liés à la terre permettent de répondre à la question de l'insertion économique d'une manière inclusive, puisque le niveau d'éducation ne constitue pas une barrière. Le jeune, quel que soit son statut, il peut créer de la richesse dans son milieu et être fixé dans son milieu et protéger son milieu. Et donc, afin d'attirer plus de jeunes vers le secteur agricole, nous pensons réellement qu'il faut redéfinir les politiques, s'assurer des dispositifs d'accompagnement pragmatiques qui marchent pour que ces jeunes puissent être accompagnés et que aussi nous puissions les aider à trouver des marchés, à les mettre en rapport avec des marchés. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire en guise d'introduction, puisque nous avons pas mal de mécanismes. La ministre en charge de l'emploi des jeunes pourra revenir pour donner plus de détails si vous le souhaitez, mais l'objectif que j'ai, c'est de vous donner un cadre global de ce que nous faisons dans notre pays, créer un environnement incitatif, des financements adaptés, un accompagnement de bout en bout et amener ces jeunes à trouver des idées gagnantes et, bien évidemment, à vaincre leurs peurs. Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre Victoire Tomega Dogbe. Merci. On a noté quand même trois points essentiels dans votre communication. Et premièrement, c'est la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes et que le Togo a une politique d'accompagnement des jeunes en la matière. Et aussi, votre idée innovatrice d'introduire la digitalisation dans l'entrepreneuriat jeune et aussi le Togo qui dispose désormais d'une carte de fertilité des sols agricoles, aussi une innovation en la matière. Et certainement qu'il y a beaucoup de questions des internautes, de tous ceux qui nous suivent. Et ces questions, avec plaisir, la ministre de l'Emploi des Jeunes, Madame Dessous, aura l'occasion de répondre à ces questions. Thank you. Let's move quickly to the introduction of the other panelists you have heard from the policymakers. But what is happening in practice? Our panelists are breaking new frontiers in their work on the land-based jobs that we have just heard about. We have with us today Mrs. Tato Mokgadi from Botswana. Welcome, madam. She's a new face of farming in Africa. She's turning her family's ancestral land into a high-end commercial horticultural farm. How did she do it?
We also have UNCCD Land Ambassador Baba Mal, who you heard about earlier. Welcome, sir. He's the Oscar-winning musician through the blockbuster film Black Panther. Most of you know it. What is less well known is his philanthropic work on land-based jobs for youth in West Africa. And that's what he will talk about today. We also have Mr. Desmond Kone. Welcome, sir. One of Africa's pathbreakers in the application of information technology to agriculture. You want to hear this story. And last but not least, we will hear from Mr. Jacob Svenningsen, who with Ghanaian-born Mr. Mubarak Al-Hassan co-founded a startup known as eGrow, based in Ghana and Denmark. It specializes in permaculture. Those are long words, and we want them to tell us what they're talking about, and uses an innovative microloan scheme to finance the farmers. So let us start with the UNCCD Land Ambassador, Baba Mal. Sir, what are the three most important questions a young person should ask when thinking of land use, any land use idea that can be successful, profit-making, and sustainable? You have the floor, sir. Merci beaucoup. Je salue Monsieur Ibrahim Tchao, secrétaire exécutif de la Convention du système des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Je devrais même commencer par Madame la Première ministre du Togo. Et merci pour votre brillante présentation de ces politiques que l'État du Togo est en train d'entreprendre pour accompagner les jeunes et leur donner beaucoup plus de responsabilités sur ce continent. Et merci beaucoup aux autres panélistes aussi, et merci à vous qui m'avez donné l'opportunité de pouvoir partager avec vous ma vision par rapport à comment faire de telle sorte pour que les jeunes qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture puissent quand même être convaincus que c'est un secteur qui porte et qui peut leur permettre de s'épanouir demain. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemples qui ont été vraiment mis en valeur un peu partout dans le monde pour que les jeunes puissent quand même avoir confiance au fait que l'agriculture peut les aider à jouer un rôle vraiment important dans le développement de leur pays, de leur communauté et de leur localité. C'est vrai que ces jeunes, comme je l'ai entendu tantôt avec Madame Première ministre du Togo, des fois sont tentés par beaucoup d'aventures parce qu'il y a quand même quelque part où il leur manque une certaine confiance par rapport au fait que le secteur agricole peut quand même venir renforcer leurs rêves et faire de telle sorte que leurs rêves deviennent réalité. C'est vrai que de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Ils s'intéressent à l'agriculture et qui savent que nous avons des terres vraiment fertiles. Nous avons beaucoup de cours d'eau et l'agriculture est un secteur qui est très, très prometteur pour le développement sur le continent africain. Mais il y a des questions, comme vous me l'avez suggéré tout à l'heure, il y a des questions qui reviennent tout le temps dans la tête de ces jeunes. Bon, comment je vais faire pour faire de l'agriculture, vraiment sécuriser mon avenir, prendre soin de ma famille, jouer mon rôle dans ma communauté et dans mon pays, ou bien dans la région où je vis, et être un exemple. Je pense que ça, c'est ce qui revient dans la tête de tout jeune Africain. Et c'est une question qui est vraiment une question à être posée par les jeunes. Qu'est-ce que je peux faire en utilisant la terre, en faisant de l'agriculture, pour vraiment prendre en charge ma destinée, la destinée de ma famille, et être un exemple, par exemple, dans ma société, dans ma communauté? Ça, c'est n'importe quel jeune doit se poser cette question avant de se lancer dans l'agriculture. Mais on dit très souvent, et ça, je viens d'en discuter avec celui qui gère, par exemple, le projet Nanka de Mbawande, que les jeunes doivent d'abord se poser la question, si on se lance dans l'agriculture, c'est vrai que nous avons des terres,
Nous avons des organisations qui peuvent nous accompagner pour faire des aménagements. Nous avons des organisations qui peuvent nous accompagner à avoir des formations dans comment prendre la graine, et la mettre les graines dans le, la graine et la mettre par exemple dans le sol. Et c'est sûr que si avec la baraka, tout cela peut faire que ces graines vont pousser, mais au finish, si on récolte, comment on va faire pour écouler, par exemple, cette production, comment faire pour que cette production puisse aller là où ça doit aller. Parce qu'on parle d'agroalimentaire, on parle d'exploitation de terre à grande surface, parce que les jeunes sont beaucoup plus attirés par ces projets agricoles qui sont pas des projets de champs familiaux ou conserves, c'est de grandes surfaces à exploiter, parce que c'est leur vision. De plus en plus, ne reste plus une vision que familiale ou bien une vision de communauté. C'est une vision à grande échelle, donc industrielle. Et les gens sont conscients que si on leur donne la possibilité de pouvoir quand même gérer tout cela et de sécuriser par exemple l'écoulement, par exemple, de toutes ces productions, ça pourra les attirer davantage vers l'agriculture. Et donc, bon, ça, c'est une question aussi que les jeunes doivent se poser. L'autre élément, je pense qu'il faut sécuriser la survie des populations, et cela dépend aussi de la protection de l'environnement. On vit dans une époque très, très moderne, et une très moderne, donc, qui fait que si on ne fait pas la balance entre, par exemple, ce qu'on peut venir faire dans un champ, que ce soit, par exemple, une GIE, que ce soit une coopérative, que ce soit aussi un champ qui appartient à une seule entité, qu'est-ce qu'on peut faire pour que au finish, que demain, si nos enfants naissent et grandissent, qu'ils ne trouvent pas qu'on a participé à la dégradation, par exemple, de notre environnement. Les jeunes s'engagent dans beaucoup de secteurs, dans le développement, mais aussi dans la protection de leur environnement. Et ça, c'est des questions, quand on discute avec les jeunes, surtout la dernière fois, on en a discuté durant le festival des Blues du Fleuve, la convention des jeunes qui étaient venus pour parler de changement climatique, pour parler de la biodiversité, pour parler aussi du recyclage. Bon, interroger ces jeunes qui étaient dans l'agriculture pour leur dire comment vous faites pour respecter tout cet engagement qui doit être un engagement de tous les jeunes sur le continent africain. Donc, il y a deux à trois grandes questions qui se posent. Donc, il faut quand même aider ces jeunes à trouver l'articulation entre le fait de pouvoir exploiter ces terres, en tirer profit, devenir un exemple pour d'autres jeunes dans leur localité, en même temps respecter cet engagement que tout jeune africain doit respecter, c'est la protection de notre environnement, ce qui veut dire la survie et même la viabilité de nos terres. L'autre question que les jeunes se posent, c'est comment avoir le soutien et le support qu'il faut de la part de nos autorités ou de la connexion qu'il faut avec des grandes institutions, que ce soit les banques ou bien des bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent faire une agriculture qui ira très loin de l'agriculture traditionnelle que ces jeunes connaissaient de leurs parents. Parce que c'est ce qui fait qu'un jeune qui serait tenté de prendre la pirogue et d'aller en Espagne et se dire que, par exemple, je vais aller cultiver dans des champs d'olives ou bien des champs d'orangers ou consorts, je peux faire la même chose au niveau du continent africain et avoir la même dignité que je recherche durant toute ma vie et être beaucoup plus efficace dans le fait de participer à l'essor de développement de mon pays ou bien de mon continent. Et tout cela, il faut que nous puissions revenir vers ces jeunes et les rassurer sur le fait que ce que vous allez rechercher à l'extérieur, avec tous les risques que ça comporte, vous pouvez l'avoir ici. Et ça, c'est un engagement que tout un chacun doit prendre pour essayer d'inspirer, d'encourager, mais faire de telle sorte que les jeunes puissent avoir confiance en eux-mêmes, avoir confiance au fait que travailler la terre, ce n'est plus un métier qu'on met au bas de l'échelle, mais c'est un métier qui est presque, je pourrais dire, je pense qu'en haut de l'échelle, parce que ce sera une agriculture viable, une agriculture qui respecte la durabilité, une agriculture qui sera vraiment fructueuse et qui pourra venir subvenir
à ses besoins et aux besoins de sa communauté et de son pays. Et ce jeune saura qu'il pourra être un exemple. Je pense que les panélistes, ce que vous êtes en train de faire actuellement, de parler de l'agriculture, c'est de ça que les jeunes ont besoin. D'entendre ceux qui ont de certaines expériences, d'entendre nos politiques leur dire qu'on a mis sur pied des plans politiques pour accompagner sur l'agriculture où les jeunes veulent se lancer. Et cela viendra pour réconforter les jeunes dans le fait qu'on doit rester en Afrique, qu'on peut travailler dans la terre, dans l'agriculture en Afrique, faire une agriculture vraiment élargie, où on verra par exemple dedans l'élevage, la pêche, la pisciculture. Il y a tous ces secteurs qui intéressent la jeunesse actuellement. Et je pense que ce qui reste, c'est l'encouragement. C'est vraiment leur donner confiance, c'est leur permettre de dire nous y allons, nous allons faire notre avenir dans ce continent africain et nous avons le soutien de tous ceux qu'on espère doivent nous soutenir, à commencer par les familles, donc les familles qui sont les premiers conseillers à encourager les jeunes à rester sur place, à travailler la terre et ne pas les encourager à prendre tous ces risques. Deuxièmement, ce sont nos administrations, nos gouvernements et les élus locaux qui sont là pour accompagner la jeunesse. Moi, je suis convaincu que ces jeunes veulent jouer ce rôle. Il faut qu'on fasse de telle sorte que cette confiance puisse grandir dans leur cœur et dans leurs esprits. Merci, je vous remercie. Thank you, Ambassador. You said, just very quickly, because I want us to catch up on the time, people need to take destiny in their hands. Very good, thank you. The key questions. Do you have training? How are you going to look after the land so that it's not destroyed? Next question, where will your produce go and where do you get the resources? In a nutshell, this is where we've gone and thank you so very much for that. We'll come back to it during the Q&A. Thank you. Oui, merci Wakaki. Et à présent, nous allons continuer avec un jeune. Il est de Complète Farm. Et un jeune qui a réussi, et c'est l'une des belles réussites du continent, axée sur des solutions qui améliorent les résultats pour les petits agriculteurs et abordent les problèmes de sécurité alimentaire. Donc, j'invite Desmond Koné pour partager avec nous ses expériences. Comment il a pu réussir? Donc, certainement un problème technique. Desmond n'est pas là. Et Wagaki, on va continuer avec un autre panéliste. Thank you very much. Thank you very much. Next is Mrs. Tato Mokadi, who left the luxury fashion industry to become a farmer. She invented for herself the term agripreneur to describe her work as an entrepreneurial agricultural startup. Mrs. Mokadi, what were your three greatest fears and how did you overcome them? Also, what are the three things you had going for you that made farming possible? You have the floor. Good afternoon, everybody. Hello, Prime Minister. I'm in such esteemed company. I'm so glad, Mr. Tiao, for having invited me, the UNCCD, so I can come and share my story as to how I made it and how I moved from fashion now to agriculture. What I can say is that in Southern Africa, historically, we are a farming community, whether it is pastoral, which means livestock, or it's arable. So when we started at the time, there were really no big commercial indigenous arable farmers. Traditionally in Africa, in our part of Africa, farmers who farm are doing it at a subsistence level, meaning they are only feeding themselves and their families.
excuse me. So the local initiatives that we had in Botswana were aimed more towards substantial subsistence farming, and which were things like backyard gardening. We wanted to come in and come in at a commercial stage right from the very beginning. So there was a lot of already established commercial farmers who originated from outside of Botswana. So we were very worried about whether we would actually find a market because our population is very small. There's only 2 million of us. So these are the sort of challenges that we had to overcome. The things that we had going for us was that in our part of the world, what you find is that we have ancestral land. And by ancestral land, I mean family land that has passed from generation to generation. So we decided that we're going to use this land, which belongs to our grandparents, to farm on a commercial state, on a commercial level. And we were lucky in that the land that we had already had a borehole, which meant we had no problems of water. So when we decided to start, it straight away from a scientific, use science to help us get as much as we can out of this small piece of land that we had. So we started by putting drip irrigation. Drip irrigation meant that we're using less water because the water is going directly to the plants that we want to feed. We're not wasting water or fertilizer on weeds, right? And then the other thing, using our corporate experience, because as you have said, I come from a background of fashion, so I was working for myself. I've always worked for myself. My husband is coming from a corporate environment. So we decided we're going to use all these learnings from the city to take them back with us to the rural area to build a business that was commercial and a proper business. By a proper business, I mean a business that has systems and structures, a business that has departments. For example, there is somebody in our company who's in charge of sales and marketing. We have somebody who's in charge of production. We have somebody who's in charge of the now 29 people that we've employed. This means that we're running at a commercial business level, even though currently we're still not as big as we're really hoping we're going to be. Market, when we started again, one of the things that we did market research to find out what exactly it is that was needed in our agricultural space. We found that the retailers in Botswana had a problem of finding reliable, consistent, high quality, long shelf life tomatoes. So we chose that as our niche. Part of the reason for that is that tomatoes are something that are notoriously hard to grow. So we knew that the market in that particular space would never be too crowded if we can get in there and do all the things that we're training ourselves to do. So to sort of conclude my sort of opening is to say that the challenges that we found are not unique to Botswana. They're not unique to any one country. Rural-urban migration is a thing, is a real thing where all of our biggest, brightest minds are moving into the cities, and we're leaving our rural areas behind and neglecting our farms. So I think the way forward for all of us is to take these teachings that we've got from our corporate environments, from the offices, from the city, take them back with us to the rural areas, employ the science, develop those areas, bring in the technology, bring in the infrastructure, and make our rural areas as successful as they can be. As I said in my little video, that the next billionaires of Africa are coming from farming, right? So I think what we need to do is think more of becoming employers as opposed to employees. Thank you. Thank you very much. Again, a very good highlight, what you had going, ancestral land. You did science and market research. You're using experience from the past and bringing it to the current environment. You've identified a market space that is probably not going to get overcrowded in a long time. These are good things, I think, that we can take away. Thank you very much. Next.
Merci Wagaki. Nous retrouvons à présent l'initiateur de Complete Pharma du Ghana. Et c'est l'une des plus belles initiatives sur le continent en ce moment, je le disais tantôt. Et l'initiateur, c'est Desmond Koné. Et Desmond, qu'est-ce qui peut rendre les jeunes agriculteurs africains compétitifs au niveau mondial alors que la plus grande partie de l'agriculture en Afrique dépend encore de la houe et des caprices pluviométriques? Hello, thank you very much for the question. So, good afternoon, everyone. Greetings from Accra, Ghana. So basically to answer that question, what I would like to say is, first of all, why do we need to be competitive as farmers in Africa? So we now live in a time and age where global food demand needs to be looked at. And I think it's about time that African farmers really rise to the occasion to add to and contribute to food security. Now, to answer that question very well, I think currently, as the population grows, we still need to feed. And so it's about time farmers in Africa basically step up. I think what we've learned from the COVID situation right now is how vulnerable our supply chains are as well. And we need new solutions beyond this hoe and cutlass agriculture that we do. But why does the problem, or why this? Why Africa? Because I think with the most arable lands, we also have the capacity to grow the most diverse crops to feed the changing demands of human beings as well. And also farming and agriculture basically brings in a lot of the social and economic growth across the region. So why are we not being able to be competitive? First, we look at the entire value chain and we realize that if you were a producer, if you were a farmer, you would have issues with low yield due to the deployment of certain solutions. Land management in Africa is quite loose. And like my previous speaker said, the land tenure system is something that we need to really look at. Yields in Africa are mostly comparably low compared to yields in other places in Africa as well. Now, the supply chain in itself is broken. If you were trying to ship things around or move things around the globe, it's quite difficult. And also basically poor regulations is making it hard for us to be competitive. Now, what we at Complete Pharma, we are doing is using data. So we realized that to be very competitive beyond the hoe and cutlass, we need to really focus on data. How are we using our land? How is our land changing over time? Is this information that the youth have? Is this information that local farmers have to boost their production? And there's the need to be very market-driven. Being market-driven is to find out how we grow crops to meet industry specifications. And to do that, we really need precision agriculture and find models to make precision agriculture more popular over here in Africa. Transparency is really needed to improve the value chain as well. So beyond mechanization and irrigation, these are some of the infrastructures needed to improve agriculture. And I think we need to approach farming with this shared responsibility, that it is my responsibility, it's also your responsibility to make farming competitive. If Africa is ever going to make farming competitive, we need bankers involved, we need the lawyers involved, we need the entire system, the entire economy of Africa involved in agriculture and making sure that agriculture thrives. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Koné. That was a very good short presentation, but I think the key message I've taken away, which I've never thought about, is using data to drive the market. I know about looking at the supply chain, but it's never been a data question for me. And I think that's what I take away today. Thank you very much. Thank you. Merci, Yassou. Oui, et là, nous allons retrouver Monsieur Jacob Sveningsen, qui est le PDG de l'entreprise Igro. Igro est une start-up danoise dont l'objectif est de créer un modèle agricole durable basé sur des pratiques permaculture.
en tenant compte du climat et l'état de la terre. Elle est déjà présente dans beaucoup de pays africains. Jacob Svenigens, quels sont selon vous les facteurs clés que les jeunes Africains devraient prendre en compte dans la conception et dans la croissance de leurs entreprises liées à la mise en valeur des terres? Thank you very much, Madame, Monsieur. To answer your question, I will share my screen like Desmond did and give you our presentation. Let me know if you have it. So my name is Jakob Vaar Svenningsen. I'm the founder of eGrow. We have a climate startup that we founded in Ghana. I did that together with Mubarak, and he'll be available for the questionnaire, for the Q&A. We've developed in eGrow a business model that uses a specific method called permanent agriculture. We've also phrased it sustainable agroforestry. This is a method of producing foods and other raw materials from a forestry method in land use that produces a carbon negative product. So it means that it takes carbon and CO2 out of the atmosphere and puts it in the soil, which helps in retaining water and making the soil fertile. My assumption today is that I'm speaking to professionals within land use and aspiring agripreneurs. Before I can answer the question, I have to say that there are no two businesses that are the same. And I can only explain to you what we did in eGrow and how we thought about things. And on this journey, we started out by thinking very big. We want to see the world as it is in the dreams that we want to have in our lives, not next year, but in 10 years, in 25 years, in 50 years, and how we leave this planet for the future generations. So when I say you build a business, you always build it for the future. And the first thing we considered was the sustainability of it. It doesn't matter how good a business we build if that business cannot function in 5 years, if we have to cut down the land to plow the field, and then eventually in five years' time, we have to find a new land to plow, then it's just not sustainable because we've destroyed the soil. So we have to build into our organization a sense of sustainability. So that means we have to learn how to fail really fast and continue to push ourselves to become more and more sustainable. And then the next step we have to do is we have to move into into scalability. So what that means is that as we're building our business and as we're building the culture in a more sustainable way, we have to develop products that are scalable. Can we scale up and reach the market? Because otherwise we will continue to be stuck in the supply chain, as Desmond was talking about, in the broken supply chain. So then we have to think about where do we position our products? So that means we have to design the product for our customers. And that's where it gets a little bit tricky, because when you're designing products, you have to look at future trends. So for instance, I know what the market is like in Northern Europe. But when I went to Africa a few times, people had no idea about what were the customer trends in my part of the world. And so you have to choose your market. You have to decide whether you want to develop a product for old Europe or the United States, or whether you perhaps want to develop a market for China in the future. So last year, for instance, I went to China to figure out how are they looking at things. And their Ministry of Agriculture said that, well, they need sesame. So how can we build a sustainable sesame business? Or as the Prime Minister of Togo said, that how can they build a soybean business? So are you looking at export, or are you going to supply the local market? That's super interesting to know who your customer is, and then what are the products you're going to be developing. And then you need to find a partner to figure that out. Then I was asked to talk about our lending model as a microfinancing tool. And the people that we were speaking with or working with
are subsistence farmers who are interested and innovative enough to become commercialized or be commercial farmers. So we were talking to these little guys, the small scale farmers, the small holding farmers, and what we provided them with was the knowledge and the raw materials to be able to build a functioning ecosystem that makes it into a carbon negative product, which means that the soil will be fertile, it will hold water and all these different things. After having then lent them those raw materials, we would be able to buy back all of the production that they made. That we would then be able to introduce to the market. So the first thing we had to provide was the knowledge about how do you actually produce in a sustainable way, and eventually figure out what materials did they need to be able to produce up to the standards for our customer market, which would be the European, the Europeans, my friends and family, who want to sit around and watch a football game and they want to drink a beer while they're eating peanuts. So then how can we make a sustainable groundnut production in northern Ghana at the same time that we were planting trees? So that, I think that'd be enough for my presentation. But if you take a look deep inside this forest, that's basically what permaculture and agroforestry looks like. It's a different type of agriculture where you have multiple products and they're all helping each other in the ecosystem to make everything sustainable. And I'll end with that. Thank you very much. Can you hear me? To get your name right. That brings us to the end of the presentations and the start of the Q&A. And I see that we have far exceeded the time we should have had for the Q&A. We have been joined by the Minister for Development and the Employment of Youth of Togo, Mrs. Mariam Dusu Dalmeida, welcome. And for this session, we have also been joined by Mr. Mubarak Al-Hassan, who is the co-founder of IGRO, to take the place of Mr. Svenningsen. We had a video that we had prepared with questions from young people that will be coming up at the end of this session. So this is the last thing we will do at the end so that we can quickly jump into the Q&A and allow the participants who we wanted to engage with to begin the discussion. So we will begin with a question that I think Mr. Tiesu will pose to the representative of Togo. You have the floor, sir. Oui, et là, il y a une question qui est arrivée et là, l'internaute voulait savoir comment, à partir des expériences du Togo, comment peut-on accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat lié à la mise en valeur des terres ou bien à l'entrepreneuriat agricole. Madame la ministre Mariam Dusu. Merci de me donner la parole. Donc, je prends la suite de son Excellence, Madame le Premier ministre. Et le jeune, enfin, c'est certainement pas un jeune Togolais, la question étant de savoir comment bénéficier d'un accompagnement lorsque on veut aller dans l'entrepreneuriat agricole, la mise en valeur de terrain. Ça, c'est une expérience que le Togo connaît. Il existe plusieurs dispositifs qui ont été mis en place depuis plusieurs années pour accompagner les jeunes entrepreneurs ou exploitants agricoles. Au rang de cela, on a le PAIEGSP, qui est un programme d'aide à l'initiative pour l'employabilité des jeunes sur les secteurs porteurs, et essentiellement orienté vers l'agriculture. Il y a également le FAIEJ, le Fonds d'aide à l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui intervient non seulement dans le financement, mais dans l'accompagnement en termes de formation, de sensibilisation et de structuration, de formalisation de projets. Il existe encore différents projets, différents programmes de financement qui sont structurés des fois sur des filières ou par zone géographique et qui permettent vraiment de s'adapter et qui permettent, je dirais plutôt, à l'exploitant
de trouver une solution qui lui convient le plus. Oui, et là, encore une question qui est arrivée. Je suis intéressé par le financement et le soutien aux petits agriculteurs. Si je suis au Togo, comment est-ce possible d'avoir ce soutien parmi tout ce que vous venez de citer? De façon très concrète, donc je suggère aux jeunes de s'adresser au FAIEJ, qui est donc la structure d'abord qui s'occupe de l'emploi des jeunes et de l'employabilité des jeunes et qui va comprendre et formaliser le projet et ensuite l'aider, soit en l'orientant vers le PAIEJ-SP. On a des solutions de financement structurelles et certaines sont très conjoncturelles et qui sont plutôt des projets financés avec l'appui des bailleurs de fonds. Donc, qui s'adressent principalement au FAIEJ. Et le FAIEJ, après avoir analysé son projet, va l'accompagner et l'orienter vers l'organisme le plus à même de soutenir son projet. Oui, et le FAIEJ, c'est le Fonds d'appui aux initiatives jeunes. Ça, c'est l'expérience du Togo que vient de partager avec nous la ministre Myriam Dessous d'Almeida. Thank you very much. And now we have a question. By the way, these are not the questions from the moderators. I just want to make that clear. These are questions that you submitted in advance before we come to the ones you're submitting right now. The next question is to Land Ambassador Baba Mal. What programs or planning resources are available for diaspora people who are returning to their home countries? Je pense qu'il y a deux volets dans lesquels on peut s'apesantir. D'abord, moi, en ce qui me concerne, les gens se posent la question quelle est la réponse face, par exemple, à l'immigration irrégulière. Je dis que bon, ce qu'on peut proposer, c'est l'agriculture, vraiment l'agriculture intégrée. Mais quand on dit l'immigration irrégulière, on parle par exemple de ceux qui sont déjà sur le continent et qui tentent d'aller en Europe. Mais il y a dans un autre volet le fait que ce que nous proposons, ce n'est pas quelque chose qui seulement s'adresse à ceux qui sont sur le continent. Parce que je prends le cadre de Nanka, dans le cadre de Nanka, c'est une fondation qui s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ils peuvent aussi vraiment participer dans cette fondation, dans ces projets, même s'ils sont à distance, parce qu'il y a déjà une connexion avec ceux qui sont restés sur place. Dans ce qu'on a commencé à faire ici au niveau, par exemple, de Podor, dans le projet de Mbawande, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en Angleterre, mais qui sont en France et à qui on a alloué, par exemple, des parcelles et qui ont fait le nécessaire et qui se sont donné la main à d'autres jeunes qui sont restés sur place pour que ces parcelles puissent être quand même exploitées au profit d'eux et de ceux qui sont restés ici. Donc, je pense qu'il faut que ça soit une jonction entre ceux qui sont, par exemple, au niveau de la diaspora et qui veulent de près ou de loin vraiment intervenir dans tout ce qui se fait comme planning de développement agricole sur le continent, en connivence avec ceux qui sont restés sur le continent. Et je pense aussi que bon, cet échange entre expériences, cet échange avec opportunités de part et d'autre, peut quand même venir remplir tout ce qu'on est en train de faire. Mais je sais aussi que nos gouvernements aussi ont mis sur pied, par exemple, beaucoup de plans d'action qui intègre ceux qui sont dans la diaspora. Je félicite ma sœur qui vient d'être nommée ambassadeur dans le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, parce qu'on sait qu'on a besoin de ces Sénégalais de l'extérieur pour participer dans cet élan de développement. Et elle est de Podor, donc elle comprend parfaitement que les projets agricoles que nous avons initiés aussi en partenariat avec la SAED, le fonds GIP, la PAMECAS, donc un support financier,
et tout récemment aussi avec l'ADER, toute cette articulation doit s'adresser aussi aux Sénégalais qui sont à l'extérieur pour les encourager à investir ici, à accompagner et peut-être, pourquoi pas, revenir et rester, travailler avec nous dans la terre et démontrer à la part du monde, on acquiert de l'expérience, mais cette expérience doit servir le continent avant tout. Oui, mais merci M. Babamal, il y a beaucoup de questions qui arrivent pour vous, mais en attendant, cette question s'adresse à M. Ibrahim Thiaw, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La question vient de Postoli Kodjo, c'est du Togo, si je ne me trompe pas. Comment équilibrer les besoins de survie en Afrique et la demande de plus en plus croissante de ressources naturelles? Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante, particulièrement pour l'Afrique, parce que c'est une région bien riche. En fait, l'Afrique est extrêmement riche en ressources naturelles, non seulement minières et autres, mais surtout des ressources du secteur primaire. Je parle de l'agriculture, de l'élevage, de la forêt, de la pêche. Et donc, il est extrêmement important que ces ressources soient valorisées par les Africains eux-mêmes, peut-être avec des partenaires extérieurs, comme on a vu des exemples ici, mais soit valorisé par les Africains eux-mêmes. J'ai dit dans mon introduction liminaire que si on regarde de près, les Africains sont assis en fait sur des mines d'or. Quand on a le soleil, l'eau, la terre, et qu'on a des ressources humaines extrêmement dynamiques, il y a tous les ingrédients pour une production transformatrice. Comme l'a dit Babamal tout à l'heure, il s'agit de produire, mais il s'agit aussi de commercialiser de manière à pouvoir générer des revenus. Et je crois que les gouvernements doivent réfléchir sur cette notion d'agriculture, pas seulement d'agriculture vivrière pour nourrir les familles, mais également pour trouver de meilleurs moyens de transformer localement leur production, de créer des chaînes de valeur. La plus grosse contrainte jusqu'à présent a été le manque d'énergie. Il se trouve qu'avec les énergies renouvelables, il est maintenant possible de générer suffisamment d'énergie et à bas prix pour que les produits africains soient compétitifs sur le marché international. Il y a aussi le marché unique africain qui constitue quand même une opportunité extraordinaire pour transformer localement et commercialiser également en Afrique. Je dois préciser une chose. Quand on parle de jeunes, c'est comme si les jeunes ne faisaient pas partie de la population africaine. En fait, ils sont la majorité des Africains. Ils sont deux tiers de la population, notamment africaine, à moins de 35 ans. Et à moins de 35 ans, on a des idées, on a une vivacité, on a une volonté de faire quelque chose. Et je suis toujours désolé de voir ces images d'Africains qui cherchent à migrer par des voies périlleuses et parfois au péril de leur vie, alors qu'il y a des opportunités d'emploi et des opportunités de création de richesses au niveau national. Je crois que c'est une problématique qui demande beaucoup de réflexion, ça demande de repenser le développement, ça demande de revoir les politiques agricoles qui ont été mises en place jusqu'à présent, qui sont beaucoup plus une agriculture de rente, de manière à voir comment valoriser tout ça, comment créer des chaînes de valeur, comment transformer localement, créer davantage d'emplois pour garder ces jeunes sur place. C'est de l'intérêt de tout le monde. C'est pas seulement pour les Africains, qui sont d'ailleurs les premiers perdants avec cette immigration irrégulière, parce que les gens qui sont capables de faire l'immigration, c'est généralement des jeunes assez dégourdis, éduqués, etc. Mais il est de l'intérêt de tout le monde, à la fois des pays riches que des pays pauvres, de pouvoir générer des revenus au niveau africain de manière à garder ces jeunes. C'est des têtes, c'est des économies, c'est des gens qui ont été formés, c'est des familles qui se disloquent à chaque fois qu'il y a un drame, comme on l'a vu récemment. Donc, je suis profondément en faveur d'une revalorisation de cette économie et de créer une économie qui soit viable, basée sur les ressources locales. Et comme je l'ai dit et je le répète, l'Afrique n'est pas un continent pauvre. C'est au contraire, c'est un continent extrêmement riche.
et qui a aussi une jeunesse vigoureuse, prête à travailler, qui crée le développement ailleurs. On a bien vu que l'immigration, les jeunes immigrés africains, le genre de travail qu'ils font ailleurs, ils se battent tous les jours, ils ne dorment pas, ils dorment très peu, ils travaillent tout le temps, mais tout ça, c'est pour créer des richesses ailleurs, alors que cette vivacité, elle est possible, il est possible de la canaliser et de créer des énergies positives en Afrique elle-même. Thank you, sir. I'm looking at my clock and I want to make sure that every one of the panelists answers a question. So I will ask the panelists one question each. I think we'll ask the panelists one question each. And if you can try and be very brief for us. Mr. Kone, this is a question. How do young people in Africa sincerely work in land-based jobs where they lack access to land or working capital to ensure soil health? Your experience. I think from my experience, we've had to be innovative in acquiring land to carry out most of the farms that we do. So what we have come up with is more like an Airbnb model for farming. So basically, we do not seek to own the land. I think when it comes to land, when you try to get full possession of the land, people become defensive, and that's where issues around litigation then comes in. So what we've tried to do is to still have access to the land, and the owner still has the ownership of the land. So letting the ownership be in place, all you want to do is get the land to carry out your activity. So we came up with this Airbnb model where we see landlords and we tell them we want to build a farm over here. You still own the land, but we pay you yearly lease for the land. So that even becomes more capital light for people to then have access to land. And then it's also like the ethical thing to do, because if you are buying land from one particular generation, you are denying that person or the future generation access to that land or the inheritance of that land as well. So that's basically one of the ways. And I think when it comes to issues around land, you really, really need to be innovative in what you want to acquire the land for in the region that you are as well, and find a way to just gain access to the land and not ownership of the land. And I think when you have strong contracts in place, this is going to be very possible to have access, because at the end of the day, you are not interested in you don't die with the land, as my people here in Ghana would say. When you die, you leave the land behind. So the land is for everyone to use. And when you think of it as just gaining access to the land, it becomes much more easier to navigate the land tenure systems in Africa. Thank you very much. And I have a quick question that came from the floor to Ms. Mokradi. What would you say would be your top three tips? The top three tips for someone launching an agro business, moving from the corporate to agro entrepreneurship space. What would you advise? I would say do your research. That is the biggest absolute thing that you need. You need to know what you're going to sell, who you're going to sell it to, and how much you're going to sell it for. One of the problems top that we find for someone launching an agro business, moving from the corporate to agro entrepreneurship space, what would you advise? I think there's backfeed when I'm speaking. I would say do your research. That is the biggest absolute thing that you need. What you need to do is look carefully at your staffing. It's very easy to overstaff. And once you overstaff, you know, you're spending more money than what you're bringing in. The other thing is be as prepared as you possibly can, because the agricultural space is a very difficult space to live in, to work in. However, when you take all that corporate, that is the other thing, take all that corporate learnings that you have and carry them across to your new job, because it is a new job. Thank you. Oui.
Merci à vous. Et là, Alassane est avec nous. Alassane, comment peut-on, c'est aussi une question qui vous arrive, comment pouvons-nous, ou bien pouvez-vous fournir des emplois verts aux jeunes et aux personnes handicapées? Et ça, c'est très important, là, cette question-là. Alassane? Yeah. Thank you for the question. What happened is that one thing I would advise young people is that as an individual, sometimes it's very difficult to start a business. And I always advise that young people need to come together to form cooperatives. And this is one way that we can bring resources together, pool resources together. And once we are able to build a very strong cooperative, it means that we will be able to have a great bargaining power when we even produce. And before we produce, we are able to pool all resources together to produce. And as Ms. Mokadi mentioned that you need to have a different skill set in order for you to be able to work very well. As a cooperative, you have people who are expert in marketing, sales, production, and all that. So this would, having this kind of synergy, it will help young people to at least start something that would be productive and even scalable. And at the same time, financial institutions are looking for people who come together, work together, because it's kind of less risky to give your money to a cooperative, knowing very well that when one individual defaults, the responsibility falls on the remaining members. So financial institutions are willing and would give financial assistance or loans to people who really come together well established. And so for me, this is one thing I would advise young people to look at and begin to think of coming together to form very strong cooperative that would help them to create jobs for themselves. Yeah. Was it yes? Oui, et notre webinaire tire malheureusement vers la fin, mais il y a une question pour Madame Myriam Dessous d'Almeida, ministre des Jeunes et de l'Emploi des Jeunes du Togo. Et certains jeunes qui veulent entreprendre dans le domaine agricole, est-ce qu'il y a une sécurité pour eux? Est-ce qu'il y a une expérience à la matière chez vous sur l'assurance des jeunes? Absolument. Alors, la question de l'emploi des jeunes, surtout dans le monde rural, est une question qui est traitée vraiment de façon holistique. Il a d'abord été réglé la question de l'accessibilité à la terre, la qualité de la terre avec la création des agropôles et des zones aménagées qui est en cours, comme le disait Madame le Premier ministre tantôt. Et il y a ensuite la question du financement avec différents outils qui sont en place depuis et qui produisent vraiment des résultats. Quand je prends l'exemple, par exemple, et le plus édifiant, c'est celui du paillage SP. Le paillage SP a accompagné 28 entreprises qui, à la base, étaient des petites entreprises de 20 personnes. Aujourd'hui, ces entreprises ont grandi, ont créé des emplois autour de jusqu'à à concurrence de 35 000 emplois. Ça veut dire qu'il y a tout un dispositif, en fait, qui permet d'accompagner le jeune, que ce soit les IFAD qui vont créer la formation. Il existe des instituts de formation, la formation des jeunes donc, au métier de l'agriculture et les différents mécanismes de financement qui
bien évidemment, doivent accompagner l'activité agricole qui est fortement corrélée avec le risque climatique. Et donc, aujourd'hui, depuis plusieurs années, des récentes années, il y a le MIFA qui est créé, qui est un dispositif de mutualisation et de partage des risques entre agriculteurs, qui permet donc de mettre ensemble plusieurs, ils appellent des agrégateurs, plusieurs acteurs de la chaîne de valeur agricole, et ainsi de partager les différents risques tout au long de la chaîne de valeur, ce qui permet de mitiger le risque spécifique lié au climat. Alors, on a également les risques sociaux de l'agriculteur qui sont pris en compte donc, dans la structuration de ce mécanisme qu'est le MIFA. Et les résultats commencent déjà, il y a pas mal de jeunes et qui sont intéressés donc, par le MIFA et qui ont été enrôlés. Et des projets sont à l'étude. Donc, on a vraiment une chaîne de valeur qui commence, je dirais, du rêve au projet. Et essentiellement, vous avez le FAIEJ qui prend la première phase, qui transforme, qui aide le jeune à transformer son rêve en projet et ensuite son projet en projet bancable avec un premier accompagnement dans la capacité entrepreneuriale donc du jeune. Et puis, progressivement, le jeune peut passer dans les différents mécanismes et monter en capacité. Quand on prend la production du soja, il y a une grosse entreprise aujourd'hui qui produit plus de 50 000 tonnes au Togo. Et cette entreprise, elle a commencé avec le projet du PAIEJ SP. On a différents mécanismes, mais l'essentiel, c'est qu'il y a trois leviers qui sont utilisés. Le levier de la terre et de sa qualité, donc avec ce travail qui est en train d'être finalisé sur la cartographie, la carte de fertilité du Togo. Il y a également le levier du financement avec les différents mécanismes qui permettent à travers, que ce soit directement avec les institutions de microfinance ou les partenariats avec les banques, de faire accepter le risque, non seulement le risque agricole, mais aussi le risque du jeune entrepreneur qui en lui-même, pour un banquier, constitue un risque. Et donc, ces mécanismes mettent des garanties en face pour que le risque soit d'abord accepté et ensuite à un coût qui permette une productivité saine. Et merci. Enfin, le troisième point, c'est la structuration du marché de la consommation du produit final. Et là aussi, on a deux leviers. Il y a le levier du consommer local et dont on a connu le mois qui s'est achevé et le levier du Made in Togo. Donc, il faut produire des produits qui soient labellisés et qui puissent être vendus à l'extérieur du Togo en toute sécurité et puis que les Togolais eux-mêmes consomment les produits togolais. Voilà un peu l'ensemble des dispositifs qui vraiment doivent sécuriser les jeunes qui veulent rentrer dans l'agriculture, qu'ils comprennent que le Togo a mis un dispositif assez complet et qui prend qui couvre l'ensemble des problématiques, que ce soit la formation, l'entrepreneuriat, et voilà, la disponibilité des terres, le financement, et puis les débouchés. Entre tout ce mécanisme-là, il ne faut pas oublier la logistique, une logistique qui permet également la distribution du produit pour l'amener du producteur jusqu'au consommateur final, qu'il soit au Togo ou à l'étranger. Merci, Madame Myriam Dessou. Distinguished panelists and distinguished participants, it's been such a great pleasure and an honor to co-moderate this session with Mr. Tiasu here. Thank you for making this not just an informative session, but one that was truly engaging. And now it is our pleasure to invite Dr. Richard Byron Cox, who heads the capacity building work on youth, to make the closing remarks. Thank you. Ready?
Yes, good afternoon to you all. My name is Richard Baron Cox. It was really a great pleasure and honor to have all of you today. My job is to bring this to a close. Before I do that, allow me to make just some very short announcements. Firstly, this is the first of a series of four. So we'll be having three more, one for Latin America, one for Asia, and a global one. So Africa was first. Secondly, we had a video sort of competition, and I'd like to tell you that Mr. Jared Philippe Nyakaja won. He had the best video, so congratulations to him. And we shall be in touch with him to tell him how to talk with him about how we might be able to help him with his project. Now it's over to the thank yous. And firstly, of course, I want to thank the Prime Minister of Togo, Her Excellency Dominga Dogbe, for being with us. It was a tremendous honor and a pleasure. I'd like to thank my boss, the Executive Secretary, and on the Secretary General of the UN, Mr. Abraham Kiao. The pronunciations are bad. I'd also like to thank Ambassador Babamal. It was great seeing you, sir, and I hope I'll see you again. It's always lovely to hear you. And of course, Ms. Morgani, Mr. Kuni, Mr. Va, and Al Hassan. I want to thank all of you for being part of this. You have really shared with us, and I hope the young people of Africa enjoyed what you had to say, but also learned a lot from it. We want to thank our partners, Dacia Vela, for having been with us. Of course, I want to thank my colleague, Wagaki, and Mr. Kosivi, who co-hosted this and did such a fantastic job. All of this could not have been done without the communication team of the UNCCD, and they really, really work hard. I know because I work with them. I want to thank my own team for having done such a fantastic job. They were working late into the night last night, and so I really want to thank all of those people. I want to thank everybody who assisted us in one way or the other, but more than anything else, we want to thank you, the participants. It was done for you. It was an honor for us to serve you, and we hope that you will join us in future because it is our job to serve you. That's what the United Nations is called to do, and that is what we are happy to do. So until the next webinar, as I said, there'll be four. Until the next time, I am Richard Baron Cox. Thank you. I'm Ronu from Kenya, and so according to Mo Ibrahim, by the year 2035, Africa's labor force is going to be larger than China's. Here in Kenya, 75% of our population is young people. So today my question is, what is the UN doing to harness this demographic dividend, even as we look forward to building back better? The world is having 15.5% of unemployment rate in 2020. And in India, the unemployment rate is 23.8% in 2020. After graduation, the youth face many difficulties to find any job due to lack of skills in any particular job field. The youth should be guided or mentored after graduation to pursue their career in whichever field they like to set their career. As all know, the young, the land is a very integral aspect of the earth. With the land, we're able to cultivate crop. With the land, we're able to build houses which we can stay in. I think by carrying out cleanup activities, by creating green jobs, I think you can help the youth and we can help the land. Because it is very important that when we take care of the environment also take care of us. Let's take an instance, afforestation. Afforestation is key. When you do afforestation, you are indirectly improving the air quality and also sequestrating carbon. Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Philippe et je suis titulaire d'un diplôme en management des entreprises que j'ai décidé d'appliquer au domaine de l'agribusiness et avec pour vision la production et la vente de légumes sans intrants chimiques. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je suive une formation. Formation que j'ai d'ailleurs suivie pendant 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, je suis de retour mieux outillé et capable de transformer un peu plus d'un hectare 25 en un jardin d'Éden. J'ai donc commencé avec comme projet de faire du maraîchage, du jardinage, de l'agroforesterie, de la pisciculture et de l'élevage. Afin que ce système mis en place fonctionne correctement, je me suis lancé dans la production de compost que je fabrique grâce à de la déjection de volailles et de l'herbe. Une chose encore, avant de se lancer dans le domaine de l'agroécologie,
il faut observer absolument, nécessairement, un certain nombre de préalables, à savoir, selon moi, la patience, l'effort, la foi, la persévérance, la constance, la consistance, la passion et le goût du travail. Et par-dessus tout, la formation. Je vous remercie de m'avoir accordé l'opportunité de partager avec vous mon expérience en tant qu'agripreneur et rendez-vous dans 5 ans. À bientôt. Corona, daro darto,
nit wala stakkoowo ko fitnita woni fof so darima e bange mum woni fof kadi so waɗi fodde mum ko ndena pool ko dañete ko ndena pool ko dañete ko ndena pool ko dañete yeye ko ndena pool ko dañete Yelanim sayata kijango.